Puis on est tous sympathiques quand même. Guillaume Lambert est vraiment sympathique. Guillaume Lambert, c'est comme la mascotte de la bonne humeur. On vit un autre beau petit moment de bonheur, oui. Là. On est tellement complices. Toujours un moment qui revient, qui dans la saison 1. Philippe Audrey faisait un coach comme de karaté, puis il fallait que les filles se servent de moi avec mon corps pour donner des coups dans le pénis à Philippe Audrey. C'est une des fois où on a le plus ri. Encore? On a ri, là, on avait de la misère à le faire. Les filles m'échappaient, je tombais à terre, je rentrais dans son pénis, il y avait mal au pénis le lendemain. Encore? C'était vraiment, vraiment un moment complètement absurde, mais ça reste gravé dans ma mémoire comme une des fois où on a le plus ri. On fait beaucoup de personnages différents. Donc, mettons que je pense à Mae Mitsu, qui est un personnage qui revient souvent. On se ressemble pas tant. J'ai peut-être maintenant le petit côté banlieue de Mae Mitsu, le petit côté Rive-Sud. J'ai peut-être pogné ma madame avec mon enfant et tout ça. Il faut écouter la quatrième saison de Like Moi parce que c'est drôle. Puis la vie est tellement difficile. C'est tellement triste, le quotidien. Faut que tu t'assoies devant Like Moi puis que tu ris un peu. Puis après ça, tu retourneras à tes problèmes puis à ta vie grise et morne.